Elle s'est tombée, encore un streamer en carton qui a oublié de mettre son micro, il vient de finir ses messages sur les réseaux sociaux. Il est perdu, le garçon, il est perdu. Comment ça va ? Coucou mon cœur. Tiens, c'est bizarre, j'ai dû tripoter mon truc ici. On n'est pas du tout cadré comme il faut, en fait, là. Tourne-moi, tourne, et dis-moi de quoi il retourne. Attendez, on va décaler un tout petit peu l'écran. On va faire rotater cette portée de choses sur le côté. Voilà. Voilà. Je me disais, j'entendais rien, c'est dégueulasse. Alors, on est-y par. Je vous cache pas que je suis parti sur un petit truc des familles qui devrait vous faire bien plaisir, notamment à toi, Chouchou. J'ai peut-être pris un truc un petit peu trop tôt. Il faudrait peut-être qu'effectivement je diminue un peu la. Que je change un tout petit peu l'horaire. Mais quand même, je pense qu'on changera l'horaire en cours de route parce que nous sommes partis sur. Ah zut, c'est dommage. Au moment où j'ai switché de scène. Voilà, on est parti sur New York. Bonjour la Statue de la Liberté. Bonjour l'Empire State Building. Bonjour la petite musique jazz. Si elle démarre. Elle démarre, c'est parfait. Bonjour et let's go en route to New York. Et voilà. Donc déjà, première des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'il va me rendre mon... Ah bah oui, merde. Attendez, pardon. Je viens de faire un truc à la con. Hop. Tac, caméra, on repart en vue externe, excusez-moi, du coup c'est pour ça que je n'avais pas les commandes, puisque juste avant j'étais en mode vitrine pour prendre la petite photo, de manière à pouvoir justement faire un petit message spécial réseau social. Donc, la Statue de la Libertad, ce qu'on va faire, on va faire une petite rotation, tranquillou, comme on fait d'habitude, puisque comme d'hab, on arrive toujours très très haut. Donc du coup, on va se faire une petite descente en zigzag, tranquillou, histoire de pas avoir trop de vitesse. On va finir par un large virage qui va nous permettre de faire... Hop là, il va nous permettre de faire une jolie petite perte de vitesse, tranquillou, pépouze. Voilà. Est-ce qu'on est assez proche pour verrouiller la vue sur ce truc-là ? Pourquoi il veut pas verrouiller ? Bon, tant pis, il veut pas verrouiller, c'est pas grave. On va remettre un tout petit peu les gaz. Et nous y voilà. Bonjour ma grande. Bizarre, j'ai l'impression de ne pas avoir trop le son du jeu cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. Et nous y voilà. Bonjour ma grande. Salut ma belle. Qu'est-ce que les belles de nuit. Ah ouais, là on a quelque chose de sympa quand même. Hein. Pourquoi il n'a pas gardé la vue il a pas gardé la vue dessus, il est complètement con, parce qu'il m'aurait permis justement d'avoir une vue plus sympathique. Je me demande si on peut désactiver aussi ces... Ah, un petit freeze des familles, tout va bien, hop. Je me demande si on peut quand même désactiver ces petites aides en fait, statue de la liberté, machin là. Il faudrait que je regarde, peut-être que c'est possible, je vais pas regarder vite fait. C'est quand même désactiver ces trucs là, parce que c'est assez... c'est sympa pour se retrouver de loin. Mais une fois qu'on est dessus, c'est un peu désagréable. Ça devrait être quelque part dans... Non, voyager vert, ça c'est les plans de vol. Ça c'est la terre VFR. La météo. Alors, j'ai dit qu'on allait mettre juste un tout petit peu plus de... jour. Voilà, un léger lever de soleil. Et... Il faudrait que je regarde. Bon, je regarderai un petit peu les commandes pour savoir ça c'est quoi les objectifs. On n'a pas d'objectifs, on s'en fout. Ça c'est la navlog, on s'en fout. Ça c'est les carburants, l'équilibrage et tout ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Grosse blague. Oui, bien sûr, ça c'est intéressant aussi. Checklist. Non, ça on s'en fout. Bon, pas y a pas. Tant pis, c'est pas grave, on se retrouvera ça une prochaine fois. Ça fait partie des trucs voilà, qu'il faudra améliorer en cours de route au niveau du stream, c'est effectivement se dire que il faudra peut-être retirer ces petites aides à la navigation histoire d'avoir effectivement ben voilà, Madame la Statue de Liberté, bonjour. Hop, petite pause, on va en profiter pour se faire un petit screenshot pendant qu'on est là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se faire un mode caméra, on va passer en mode vitrine, tac, on
sur la manette. Et c'est là que vraiment il serait intéressant de dégager ces trucs là. Assistance, par exemple. Pilotage chaîne de bord, navigation, notification, expérience utilisateur. Notification. Marqueur. Marqueur de point d'intérêt, ça doit être ça. Clac, désactivé. On va l'enlever, on va regarder. Appliquer, enregistrer, hop, hop. Ben voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que je lui dis ? Là, on va avoir un très joli. Là, on va avoir un très joli plan à prendre là. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc comme ça là ? Ah ouais, là on a. On s'incline un peu dans ce sens-là peut-être. Du coup, on va se rapprocher un peu de l'avion. Ah là, on est pas mal là, on est pas dégueu là. Regardez-moi ça. Là, je trouve qu'on a quelque chose de pas dégueu. On va juste peut-être le descendre un tout petit peu pour pouvoir avoir l'aile au-dessus du bateau. Voilà. Voilà, et ben voilà. Casse-toi le message, laisse-moi tranquille. Et voilà, là on va se prendre un joli screenshot des familles dès que le message sera dégagé. Pof, 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 pof. Imprime écran, et voilà. Un beau screenshot des familles, bien comme il faut, au passage. De la grande dame, comme on dit. On passe en vue externe. Tac. Tac. On se retire la vue active. La pose active, pardon. On va quand même juste se mettre en caméra un peu plus proche ici. Pour être sûr de ne pas se planter quand on va enlever la pose. Tac. Et c'est parti, mon kitty. Ah, c'est pas dégueu quand même, hein, la petite ville là, comme ça. La petite ville. Ça fait 20 fois que je peux règle monsieur le. Navigateur de cap. Donc il va falloir être, gentil avec moi, monsieur, maintenant, d'abord. Et bah, c'est pas dégueu, ce petit New York, là, en. Comment ça s'appelle, en lever de soleil, là. Est-ce qu'on va pas se remettre juste vite fait les assistances? Tac, maintenant qu'on a pris notre screenshot, l'aide à la navigation, on va quand même se remettre les points d'intérêt, là. Pof, voilà. Notamment parce qu'on cherchait l'Empire State de la building. Il doit être en face là-bas. En même temps, c'est la seule grande tour maintenant qui reste. Donc c'est vrai que quelque part, même sans point d'intérêt, ça aurait été quand même assez facile. Bon, on va aller voir le pont de Brooklyn du coup. Qui a l'air sympathique. Si on arrivait à se faire un petit pont de Brooklyn avec l'Empire... Ah non, c'est Grand Zero ça. Ah on est d'accord. Putain, mais oui, c'est vrai qu'on est en 2020 du coup, Grand Zero... Enfin, 21 maintenant. Du coup, Grand Zero a été refait. C'est Grand Zero, ça, du coup, là, cette grande tour immense avec son pic, là. Ah, elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule, la madame. Hein. Et du coup, l'Empire State, c'est ce qu'on a là-bas? Pas impossible, on va qu'on aille voir ça. Bon, déjà, on va aller passer au niveau du pont de Brooklyn. Alors, pont de Brooklyn, hein, je vous rappelle que c'est là où toutes les catastrophes du monde arrivent. L'arrivée de Godzilla, l'arrivée de... Comment il s'appelle le monstre de Cloverfield. Voilà, tous les. Le mémorial en bas est magnifique, d'accord. Ouais, on va voir si on peut. Je suis pas sûr qu'on puisse passer un puits sans fond où l'eau coule avec tout le monde des victimes. Ouais, non, mais ça, c'est assez incroyable. En vrai, il y a eu du vrai génie, sur cette architecture qui a été assez incroyable. Donc, le pont de Brooklyn. Voilà. Putain, il est beau, ça. Oh, c'est beau aussi, ça. Je pense qu'on va se faire une pause active, là. Tac. Et je pense qu'on va se faire un screenshot d'ici, là. Il est hyper émouvant et beau. Ouais. Je pense vraiment qu'on va se caler sur un petit screenshot des familles aussi, là. Parce que vraiment, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Il va falloir juste qu'on pense à enlever tranquillement. Voilà. Oh là là. Il va juste falloir effectivement qu'on aille poser dans l'assistance. L'aide à la navigation, pareil, les notificateurs de points d'intérêt, tac. On applique, on s'en va, voilà. Oh là 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 là, mais cette beauté. Regardez-moi ces petits trucs qui clignotent en face, là, on a l'impression qu'effectivement, c'est les... Bah, c'est les... comment ça s'appelle, enfin, c'est pas l'impression, hein, d'ailleurs, ce sont, du coup, effectivement, des avions qui sont en train de décoller. Le trafic aérien au-dessus de New York est juste... juste indécent, en fait. Est-ce que je peux, est-ce que je pourrais pas, quelque part, légèrement descendre, là,
J'aurais voulu avoir en fait changé le focus, mais je sais pas si c'était possible. J'ai déjà fait du canoë ici sur l'eau, c'était trop bien. Oh putain. Est-ce qu'on se prendrait pas un screenshot maintenant là? Je pense qu'on est pas dans le dégueu hein. Qu'est-ce que vous en pensez là? On a Ground Zero à gauche, on a le pont de Brooklyn là, on a le ciel, on a un bout de parc là. Moi je suis chaud hein. Là moi je suis chaud pour un petit screenshot maintenant. Hop, on va se le prendre comme ça celui-là. Et hop, screenshot. Pousse pas le gêne. Et voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool là, on a des trucs on va. Ah merde, ça c'est la vue quand on se fout. Hop. Hop, on repart sur vue externe. On va peut-être se faire lever un petit peu le soleil là, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà un petit lever de soleil sympathique pour aller voir Central Park. Ça se tente, avouez. Faut juste que je trouve où est Central Park. Mais pareil, ça devrait pas être très compliqué à trouver. Je veux dire, on est en plein milieu des buildings. S'il y a un parc, il doit y avoir. Il devrait pas être très compliqué à trouver. Genre peut-être le machin qui est derrière moi, là? Peut-être pas. Je ne sais pas, en fait. J'avoue que je ne connais pas la... Je ne connais pas vraiment la géographie. Putain, c'est beau, ça, c'est quoi, cette espèce de machin? On dirait un espèce de... Je sais pas, c'est bizarre. On dirait presque un château au milieu du truc. Le kayak sur l'Hudson est gratuit. Mais où est Central Park? Parce que là du coup je vois des arbres ici aussi, mais bon, beaucoup de bâtiments. Where are you? Central Park. Putain, mais c'est incroyable cette ville là, cette modélisation. Pouf. Allez, pause. Hop. 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 On va essayer de Central Park New York. On va essayer de se trouver un peu... On va essayer de se faire un petit peu de navigation à vue. Alors, la navigation à vue, sachant qu'on est arrivé par là, la Statue de Liberté est ici. On a effectivement... On est allé voir ici le Manhattan Bridge et le Brooklyn Bridge ici. On est quelque part par là, donc ça veut dire qu'en fait, il faut bien rester sur cette île centrale, dépasser l'Empire State Building et Central Park, et juste derrière. Donc voilà, ça veut dire qu'on est sur la bonne route. L'Empire State Building devrait être effectivement donc, cet immense bâtiment qu'on voit juste devant. Laisse-moi tranquille l'indicateur de cap. Hop là. Ah, un échec en train de cavaler derrière. On va se faire un tout petit peu d'accélération temporelle là, histoire d'y aller tranquillou pépouze. Hop, Central Park, on le voit derrière. Je suis au ralenti là. Ok, on va se mettre quand même sur des trucs un peu normal. Voilà, ils ont eu peur de ma boîte à crayons. Et nous y voilà. Bonjour. Bonjour l'Empire State. Je pense qu'il y a moyen de se faire un vol aussi. Pareil, de se faire un petit truc sympa. Attendez, bougez pas. On va se mettre comme ça. On va... Hop, tac, pause. On va se mettre en mode, pareil, en mode vitrine. Et là, j'ai une petite idée, je vous cache pas. On va se reculer un peu comme ça. On va essayer de retrouver l'Empire State qui devrait être... attendez, il est là. Hop, on va. Voilà, on va avancer ici. Direction... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai fait de la merde, pardon. Hop. On avance. Je sais pas si je vais réussir à décaler suffisamment... Pour me mettre juste... Si, bah oui, voilà, regardez. On va se mettre là, au niveau de la cam. On va se mettre ici. On va se mettre devant l'Empire State Building. C'est dommage, il est un peu... il est pas aussi beau de près qu'il ne l'est de loin. Malheureusement. Et c'est bien, bien, bien dommage. Parce que du coup, bah, on n'est pas... Ouais, d'ici, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, ça me rappelle le début de Oliver et compagnie. Alors attendez, on va essayer de se faire un plan assez ouf en inclinant un peu tout ça là. Et là, je vous cache pas que là, je suis un petit, je suis tout content là, parce que je peux mettre plusieurs de mes passions en même temps, à savoir la photographie et le vol. Et là, putain, on est vraiment NEM content, mais complètement, hein, NEM ultra content. Là, ce qui est juste presque dommage, c'est qu'on voit plus l'avion. Et c'est bien, bien, bien dommage.
Je ne sais pas du tout. Si j'enlève la pause, là, qu'est-ce qui se passe? On va faire ça vite fait, on va cliquer. Je peux pas enlever la pause, là? Ah, je peux pas enlever la pause quand je suis en mode vitrine, d'accord. Bah, c'est fort bien dommage. Mais déjà, on va s'en prendre une comme ça. Parce que juste là, bah, on est d'accord, c'est beau, quoi. Je suis désolé, mais là, c'est juste magnifique. On va peut-être même. Et bonjour, and fly me to the moon, and let me play among the stars. La 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 la. Tadadidada. Ah, c'est pas plus mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? C'est pas la bonne chanson. On va peut-être même quoi? Qu'est-ce que vous préférez là pour la photo? On la prend de jour ou on la prend légèrement nighty comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? On va faire les deux en fait. On va se prendre une photo. Merde, c'est pas du tout là. Bien joué Stéphane. Hop, Windows imprime écran, voilà. Ça et derrière, on va se prendre une autre avec. J'aime autant les deux. Oui, c'est ça. Tu as dit, on va peut-être même. On va peut-être même. On va peut-être même. Et on va s'en prendre une comme ça, là, avec un peu plus de soleil. Un soleil rasant ou attends, il est où le soleil? Attends, il est plus à droite là-bas. Ok, on voit les ombres qui commencent à se décaler là quand je monte comme ça. Voilà, une deux jours comme ça. Alors, attends, où sont les ombres projetées? Derrière moi. On va les mettre comme ça là. Ça, c'est pas dégueu. Hein. Ça, c'est pas dégueu, ça. Hein. Tac, voilà. Et on va s'en faire une comme ça. Imprime écran. Et voilà. Là, déjà, on a de la vue de qualité. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que là, on n'est pas dégueu. Hein. Là, on est sur quelque chose. Ça va devenir un live photo bientôt. Mais complètement. Mais complètement. Je le reconnais. On va bientôt partir sur des lives de développement photo Flight Sim. Il y aurait un concept, en fait. Hein. Il y aurait un concept de partir sur Flight Simulator, prendre des photos et derrière venir les développer. Comme si on avait développé des photos de notre voyage à New York, quoi. Il y a un vrai concept. Il y a un vrai concept. Et voici Central Park. Ah, c'est beau. J'avoue, c'est beau. Tu vois, en fait, c'est beau, mais c'est beau vu d'en haut. Tu vois, je sais pas si, tu vois, si j'étais quelque part au milieu des rues là, je sais pas si je kifferais autant. Tu dois bien le reconnaître. J'adore le second emoji bye, mais c'est le seul qui est pas à moi. Il y a un petit. Il y a quoi là au milieu? Attendez, hop, tac. C'est quoi cette chose là? C'est une piscine? C'est un truc de hot dog? C'est quoi? C'est rigolo. C'est un grand marchand de hot dog. Bon, on va tranquillement se laisser perdre de l'altitude et puis on va s'amuser. J'adore ce petit fantôme. Et attention, c'est parti mon kiki, on va aller se faire un petit peu de radada sur Central Park, un truc qu'on ne fera évidemment jamais dans la vraie vie, hein. Mais là, on a tous les droits là. On arrive vite un peu quand même. Hop là, il y a un peu de vent, ça gigote. Wouh! Coucou les copains! Tu peux t'arrêter de me prendre un bretzel s'il te plaît, j'ai faim. Ah putain, un bretzel. Oh, ça serait tellement bon un petit bretzel là. Wouh! Coucou! Hop là! Ah ouais, non, mais là, le petit lac en plein milieu de Central Park, là. J'avoue que là, on est sur un décor qui est assez fifou quand même. Hein. Et hop bon, après, c'est dommage, là, on profite pas trop de la photogrammétrie. Les bâtiments sont un peu dégueux et c'est fort dommage. Mais bon, c'est pas grave. Le mec fait des tours de lac. Les hot dogs de New York, c'est quelque chose. Ouais, bah là, du coup, effectivement, arrêtez de me donner envie parce que là, du coup, j'ai envie d'aller à New York juste pour les hot dogs, là. Arrêtez tout de suite! Est-ce que vous pensez qu'on peut se poser, là? En plein milieu de l'espèce de petit parc, là. Moi, je la tente. Je la tente. On tente le poser au milieu du parc, là. Et puis après, on essaiera de se tenter une autre ville. Du coup, les sondages sont ouverts in the chat. Où est-ce que vous voulez aller? Et hop là.
Et hop. Ah, le petit rebond va risquer de me mettre dedans là, j'avoue. Oui, non, but. Ça passe. Hop, on va capoter. On va capoter parce que j'ai freiné trop fort. C'est vraiment dommage parce qu'on était à ça de faire un atterrissage qui était aux petits oignons, en mode but là. Et j'ai serré trop fort les freins, j'ai oublié de desserrer les freins et on l'a capoté. That's life. On a fait un soleil. Menu principal. Tu kifferais et il y a des sandwichs cookies glacés de folie. Oh là 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 là, arrêtez de me parler de bouffe là. En plus j'ai oublié mon café. Mon café ! Merde, j'ai fait couler mon café, j'ai oublié mon café. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Je reviens immédiatement, j'arrive. Et me revoilà. Pardon. Il fallait. Voilà, je peux pas. Moi, je peux pas faire ma pause déj sans manger si j'ai pas au moins un petit café pour m'accompagner. Alors, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même. Putain, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses aux États-Unis qui ont été vraiment. Fornox. Oh putain, c'est rigolo ça. Fornox. Fornox. Pour ceux qui savent pas, Fornox c'est la plus grande réserve d'or des États-Unis. Je me demande si c'est pas la plus grande réserve d'or du monde d'ailleurs. Donc, il y a Monument Valley, on l'a fait déjà. Over Dam Bridge, Yosemite et le Capitaine, Chimney Rock. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, je sais ce que j'étais en train de dire. Si vous voulez, j'ai dans cette main, dans cette enveloppe, une liste du coup. J'ai la liste des villes qu'on peut trouver en photogrammétrie, que ce soit donc dans le monde ou spécialement dans les États-Unis, parce que vous l'avez dit, hein, la liste aux États-Unis elle est quand même un peu plus balèze. Un petit Alcatraz. Ah ouais, tiens, un petit Alcatraz. Mais Alcatraz, c'est à. Je me souviens plus, c'est San Francisco ou c'est. Oui, non, c'est San Francisco. Faudrait qu'on retourne à San Francisco. Ouais, allons-y. Allons à San Francisco. Et du coup, pour ce qui est San Francisco, alors attends, que je dise pas de conneries, San Francisco c'est par là, Alcatraz et tout ça c'est par là, et pour le coup, conditions de vol, on va allonger un peu histoire de sur la journée quand même, on va revenir en arrière, non je comprends pas, j'ai pas assez, tac, voilà, conditions de vol, where is the ciel, voilà, le ciel est là, tac. Un petit Alcatraz des familles. Et pour le coup, vu qu'on va faire joujou à Alcatraz, je vais juste penser à changer d'avion. Et on va faire un peu de la merde. On va prendre un petit Extra 300. Il est où ? Extra 300. Extra 300, qu'est-ce que c'est ? C'est un avion de voltige. Donc c'est un... Merde. Tac. Un avion de voltige. Et un avion de voltige, ça sert à quoi ? Ça sert à voltiger. Ça sert à faire des... Zouh ! Sans les mains. Donc on va s'amuser un peu là-dessus. San Francisco, Palm Beach, les dessous de Palm Beach. Dum, dum, dum. Non, ça c'est New York ça. Les dessous de Palm Beach, c'était quoi la musique des dessous de Palm Beach ? Je m'en souviens plus. Parce que tum, 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 c'était New York Unité Spéciale. Les crimes les plus odieux ont leur brigade spéciale. Dessous de verre pour pouvoir mettre la tasse sur le tapis sans faire de conneries, s'il vous plaît. Donc ouais, j'étais en train d'y penser là, j'étais en train de dire ça. Effectivement, ça y est, il y a les nouveaux émoticônes de Shell sont enfin arrivés. Qui me parle ? Pourquoi vous me parlez, madame ? Laissez-moi tranquille en fait.
Ouh, le vol va être sympathique. Oh, vous avez vu, juste comme ça, on va juste regarder vite fait. Vous avez vu un peu le champ de vision qu'on a quand on est dans un Extra 300. Ouais, d'accord, hein, c'est un avion de voltige, donc c'est un avion où tu es censé quand même effectivement voir un peu ce qui se passe autour de toi. Mais je trouve juste incroyable cette vue, quoi. Voilà, et hop, et donc l'Extra 300, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça tourne très vite. Wouhou! Allez! Là, on va pouvoir commencer à piloter ça un peu comme un avion de chasse, ou pas? Parce que je vais peut-être me... Wouh! Ah, c'est quand même un peu. Ok. Tout va bien. Tout va bien, le bateau coule normalement. Voilà, mais je vais quand même pouvoir piloter ça un petit peu plus, à l'instinct et un peu plus comme j'ai l'habitude de le faire avec les avions de chasse et les jeux d'avions de chasse que je connais surtout. Bon, un petit survol d'A4-15, hein. On va reprendre un petit peu d'alti. Et voilà, on va pouvoir prendre de l'alti pleine bourre, quoi. Ça, c'est la beauté, ça, c'est ce qu'on appelle la beauté d'un avion de voltige. C'est que derrière, lui, il va être capable de vous faire des virages pas possibles. De prendre l'altitude comme on veut, etc. etc. Là. Au moins. Là. Attendez dans ça. Bonjour Alcatraz. C'est une grosse prison, hein. Là on est sur quelque chose. On est sur du bâtiment de compétition là. Là on est sur de la belle bête, hein. Qu'est-ce qu'elle parle la madame à la radio? Un peu de fou, un peu, là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, dans le coin? On a le San Francisco Bridge, dont j'ai encore oublié le nom, même si on y est passé la dernière fois. La vache. Quoi, la vache? La vache, mon pilotage, ou la vache, le bâtiment? Oh, on va faire du radada sur le... à côté du navire, du bateau, là. L'endroit. Ouais, salut les copains. Wouhou. Bon là je vous cache pas que je m'amuse un peu plus là avec un petit extra 300 là. Hop là. Une petite vrille pas du tout contrôlée. Hop là. J'ai mis un petit peu trop de palonnier, ce qui fait que l'avion est parti un peu en cacahuète. Mais c'est pas grave. Oh my god, j'ai vomi. Oh, petite colline là, sympathique aussi, hein. La petite colline est quand même plutôt sympa. Là, je sais pas ce que c'est que cet endroit. Je sais pas ce que c'est que le phare peut-être de San Francisco. C'est le phare à on peut-être, je ne sais pas. Comme ça, je veux dire. On va les zigzaguer un petit peu. On va les zigzaguer un petit peu dans la ville. Là, ça va être rigolo ça. Bonjour. Comment ça va chez vous? Salut Jean-Claude, comment tu vas? John, Brian, hello, how are you? Oh, le porte-conteneur là qui est en train d'arriver là sur la ville, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'elle cause la madame à la radio? Ça veut dire qu'il doit y avoir un trafic aérien un peu sale aussi quand même. Hein. Allez, hop. Bonjour le pont. Bon, on passera pas en dessous, hein. On a déjà vu ce que ça donnait si on passait en dessous, ils considèrent qu'on se crache. Donc on va juste longer tranquillement. Après moi j'ai pas mangé donc je vais pas vomir. Ah bah y'a toujours la bile, hein, au pire. Sympa ce petit survol du bridge là. On est pas mal, hein. Oh, je vous cache pas que j'ai tellement envie d'aller en dessous là et de zigzaguer, de faire des petits zigzags entre les pylônes là. J'ai tellement envie. Truc de ouf. Un petit hop là. Youh, hop là, on repasse de l'autre côté et ça c'est beau ça. T'inquiète, ça m'a jamais empêché d'être malade en route de montagnage, hein. Youhou, hop là. Ah, oh, mais je savais pas qu'il continuait le pont comme ça. Ah, c'est intéressant. Sympa ça. Alors, du coup, attendez, on va essayer de se mettre juste au-dessus. Hop là. Bonjour messieurs dames, comment ça va chez vous?
Alors, ça va dans les bouchons? Ouais. Comment ça se passe chez vous? Tranquille, pépère? Je te double et je suis même pas à fond. Ouais. La blague. Non mais lol. On va sortir un peu de flaps. Pourquoi les flaps ne veulent pas sortir d'ailleurs? C'est bizarre ça. Bon. On va mettre le gaz. Je suis étonné là pour les flaps, tu as dit. Il n'y a pas de flaps sur. Bon, il n'y a peut-être pas de flaps sur le 300. C'est une question à poser. Voilà, les porte-conteneurs. Bon, c'est peut-être pas le plus foufou du monde, hein, je veux le reconnaître. On va peut-être revenir sur le côté sympathique de la ville. Qu'est-ce qu'elle cause, la madame, dis donc. On va juste accélérer un petit peu le temps, histoire d'aller revenir de l'autre côté tranquillement. Voilà, accélération temporelle. Voilà, on revient sur un temps qui a l'air de vouloir revenir un peu plus. Là, je pense que je suis sur vue réelle. Je veux y aller aussi. San Francisco, ouais, ça me tente vraiment bien, San Francisco. On va aller voir la partie là-bas, un petit peu plus collina de montagneuse. Ça a l'air quand même un peu plus sympathique. Alcatraz, du coup, on l'a vu. C'est l'île qui est là-bas, Alcatraz, on est d'accord. Hein. Ouais, ça va être ça, ça c'est Alcatraz. On pourra faire Hawaï plus deux jours à San Francisco. Alex l'avait fait. Ah ouais. On pourra essayer de voir ça. Et hop là. C'est parti mon kiki. Bonjour. Salut les copains. Comment ça va chez vous? Allez. Oh c'est joli ça. Une espèce de petit pseudo capitole là. Oh, c'est sympa ça. Bonjour. Est-ce que je serais pas en train de me faire intercepter par l'armée américaine là, à voler n'importe comment au milieu de... au milieu du monde. Salut Nicrose, comment tu vas? On est en train de faire un petit peu les foufous au-dessus de San Francisco. C'est sympa. On fait un peu des folies. C'est rigolo comme bâtiment aussi ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai un peu raté le début. Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. On a fait New York juste avant. Ouais. Hey, Franck! Comment tu vas? Ah bah, ça fait plaisir de te voir, dis donc. Ouais. Alors, comme je t'ai expliqué sur Facebook, hein, je fais... D'un point de vue pilotage, hein, je suis pas du tout dans le réalisme simulateur pur et dur. Hein. On fait de la merde. Hein. Mais on s'amuse bien. Du coup, là, effectivement, on est allé faire un tour à San Francisco. Hein, je vous laisse un petit peu la vue sympathique. Donc, nous sommes en Extra 300, qui est un avion de voltige, qui permet de faire un peu plus de conneries, on va dire, que le Savage Cub que j'utilise d'habitude, qui, lui, me permet notamment de pouvoir voler à très, très faible vitesse, ce qui est, du coup, effectivement, idéal pour les petites visites qu'on fait, pouvoir tourner autour d'un bâtiment sans problème, etc. Il y a du vent, hein. Ça gigote pas mal, quand même. Hein. Je sais pas si on est en condition de vol réel, mais ça gigote pas mal. Du coup, pour les nouveaux arrivants, on va quand même aller faire un petit passage rapide. On va mettre plein gaz, on va accélérer le temps. Pour ceux qui l'ont raté au moment du démarrage. Hop là, hop là, hop là. Bouger pendant l'accélération temporelle, c'est pas forcément le meilleur des plans. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, on est revenu sur l'accélération temporelle. Je suis en survitesse en plus, tout va bien. Voilà, le petit Golden Bridge des familles, pour ceux qui n'étaient pas présents jusque-là. Bienvenue chez nous. Bienvenue sur le petit Golden Bridge. On a fait. Alors par contre, pour ceux qui n'étaient pas là pour. Comment ça s'appelle pour New York, sachez quand même qu'on a fait de très très beaux screenshots. Je les posterai sur Twitter et Facebook tout à l'heure. Voire même sur Instagram. Je pense que ça peut être sympa de les checker sur Insta. Et du coup, on va aller rechecker. Où est le 4 ases ? À droite, je crois. Ah non ? Merde. On a perdu le 4 ases ? Ah mais non, je suis pas du bon côté ! Pardon !
Je voulais aller chercher Alcatraz, j'avais oublié qu'on avait changé de côté. Donc du coup, il faut que je reparte par là-bas. Est-ce qu'on peut se poser sur le pont? Alors sur le pont, je crois pas. Un truc qui me vexe énormément, d'ailleurs je vais vous le montrer, c'est qu'on ne peut même pas passer en dessous. Et ça, je suis très très vexé. Vous allez voir. Parce que vous êtes d'accord qu'on est ultra large là. Et bah paf. On peut pas parce qu'ils considèrent que c'est un bâtiment à part entière complet. Et du coup, on peut pas passer en dessous. Si c'est pas malheureux entre nous, c'est vraiment nul. Hein. T'as pas le droit de stationner sur un pont, tu vas te prendre une amende. Ah, c'est pas du stationnement, hein. Si je ne coupe pas le moteur, ça n'est pas du stationnement. Nous serons donc à l'arrêt. Il faudra que je teste sous X-Plane si ça passe. Ben ouais, il faudra tester, mais moi j'avais souvenir de... Comment ça s'appelle? Moi j'avais surtout souvenir de Flight Sim X, sur lequel, sûr et certain, on pouvait passer sous l'arche de la défense. Ça on pouvait, sûr et certain. J'ai fait passer des Alpha Jets plus d'une fois sous l'arche de la défense, c'est sûr. Donc voilà, nous voilà autour d'Alcatraz, pour ceux qui avaient raté effectivement ce petit début San Francisco. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas l'idéal pour faire un petit screenshot des familles? Si, mais on va attendre de passer de l'autre côté d'Alcatraz pour pouvoir en fait avoir la vue avec le pont. On a un petit Golden Bridge ici. Vous savez quoi, on va s'arrêter faire un petit screenshot des familles là. Ah oui d'accord, je comprenais pas, il avait pas compris que je voulais couper les gaz. Il disait aussi, il y a un problème de merde. Alors ce qu'on va faire, on va serrer un peu le virage. Tac, on va remettre la cam derrière, que je puisse voir ce que je fais. Voilà. Et ce qu'on va faire, bougez pas, vous allez voir ça. Et hop, on va juste se faire une glissade sur l'aile comme ça. Tac, Alcatraz, bonjour, pause. Pause, on passe en cam, on passe en vue vitrine. Voilà. Et c'est un peu là qu'on va... Ah, j'ai un petit frise des familles, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Oui, on pouvait passer à travers aussi. Certains bâtiments n'étaient pas du tout gérés en fait. L'arche de la défense, c'était de l'air. Ah, tu pouvais quand même te cracher dedans. Hein. Je me suis aussi craché dedans un paquet de fois, il me semble, sur FSX. Tu me rends la main, monsieur, s'il te plaît ? C'est un peu le problème de jeu, c'est qu'il y a des moments où il est gourmand pour X ou Y raison. Et voilà, il te lâche un peu la main. Voilà. Bon, après, je lui en veux pas, hein. Je venais d'allumer aussi la manette en cours de route. J'ai fait en sorte en fait que la... Alors, que ce soit ma manette, il soit en mode gestion de tout ce qui est la vue cam quand on passe en vue drone comme ça. Voilà, et là je me dis que là... Ah, on a le château d'eau qui est là, voilà. On a un petit château d'eau qui est là, c'est ce que je cherchais. On va avancer un peu. Peace and freedom, welcome home Indian Land. Regardez-moi ça, ce qu'on va pouvoir se faire là d'un point de vue photo. On a l'avion qui est là-haut, on a ça au premier plan. On va quand même monter un petit peu. On va peut-être même se donner un petit peu d'angle, ce sera un peu plus sympatoche. Ça va nous permettre d'aller chercher un angle ici un peu plus sympa sur la ville. Voilà. Tac, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste chercher un petit peu en termes de lever de soleil. On va aller chercher la couleur la plus sympa. Genre ça. Tac. Là où le soleil se lève tout pile. Et hop. Bonjour et bienvenue sur ce live photo. Et là, on va se faire un petit Windows imprime écran. Et bonjour, on a une vue qui est quand même pas dégueu du tout. Et on pourrait même essayer de se faire un truc. On pourrait même se la faire de neige. Un petit peu d'hiver, comme ça, là, tac. On va peut-être se mettre une densité aérosol un peu plus importante. Tac. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, ça. Des éclairs ? Ah, des éclairs. Et comme ça, on pourrait essayer de prendre... Ah, d'accord. On va essayer de prendre un screenshot au moment où... Attendez, j'enlève ma souris. On va essayer de prendre un screenshot au moment où on aura un éclair.
Allez, monsieur. Allez, monsieur. J'imagine qu'il faut un bon PC pour faire tourner ça quand même. Je veux un vrai éclair, moi je veux pas juste un petit machin qui fait pouette. Ouais, il faut quand même une petite. Il faut quand même une petite bête. Il faudrait qu'on aille regarder un petit peu le. Il faudrait qu'on aille regarder un petit peu la configuration minimale. Il me met l'orange ou comment ça se passe là? Je voudrais bien prendre la photo à ce moment-là. Bon, je pense qu'on l'aura pas. On va déjà faire un screenshot comme ça là. Mais je suis vex. On met plus d'orange. Mets-moi les éclairs. 100% d'éclairs. Voilà, je sais pas, tu te débrouilles. Fais-moi quelque chose. Je sens que. Merde. Bon, mais ouais, mais c'était. Il y avait de la lumière, mais il n'y avait pas de. Je veux l'éclair, moi, monsieur. Je veux le gros éclair des familles qu'on voit du pâté. On entend l'orage en ce moment. Allez, monsieur. Bon, on tente encore une dizaine de secondes, et puis si on trouve rien, on laisse tomber. Hein. Je vais pas rester sur ce même plan pendant 20 plombes. Mais. C'est fort dommage, parce qu'il est beau ce plan. Il m'embête. Eh ben tant pis, pas d'orage. On verra ça une prochaine fois. Hop, on repasse sur vue externe. On enlève la pause. On va quand même, en profiter. Hein. On va quand même profiter pour se faire une petite vue comme ça avec la neige, etc. Bon, est-ce que vous voulez aller désormais? Évidemment, c'est maintenant qu'il met des gros orages de taré. Sauteuse. Où est-ce que vous voulez aller maintenant? Il nous reste un bon petit quart d'heure encore pour aller visiter pas mal d'endroits. Pour répondre aussi plus ou moins à ta question, Nick Rose, ce que je peux déjà te donner, c'est ma config. J'ai un i7-7700, j'ai 32 Go de RAM et j'ai une carte graphique, une GTX 1080. Et actuellement, je ne fais pas tourner le jeu en ultra, puisque je suis graphisme, je me suis mis en haute. On a tenté de mettre 2-3 trucs en ultra. Ça tourne, il tourne en ultra. Le vrai problème, c'est que dès que tu vas te retrouver au-dessus d'une ville qui est en photogrammétrie, donc qui va être vraiment, vraiment très, très bien reproduit avec énormément de densité, tu vas avoir des lags qui sont assez. Enfin, tu vas avoir des freezes qui sont assez, assez monstrueux, pour moi en tout cas. Donc, on a décidé finalement de passer en haute pour pouvoir streamer tranquillement et rester sur des trucs vraiment, vraiment sympas, quoi. Et tu vois que même en haute, la qualité est vraiment loin d'être dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? On fait juste un petit altota parce que vous voyez là, on a toute la partie qui est. On a toutes les villes là qui sont en photogrammétrie, qu'elles soient aux États-Unis ou qu'elles soient dans le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait aller se checker? Un truc vraiment sympa. Il faut vraiment que je change ma carte graphique. Montpellier, Marseille, on avait fait ça déjà. Madrid. J'irais bien un truc en Espagne. Qu'est-ce que vous pensez de. Y a pas Florence? Ah, j'aurais bien aimé aller visiter Florence en Espagne. Copenhague. Oh putain, pour y être allé IRL, on va aller à Copenhague. Pourquoi on va aller à Copenhague? Parce que ce que j'espère, c'est qu'on va. Florence, c'est en Italie. Oui, mais oui, bah, bien sûr, Florence, c'est en Italie. Voilà, Florence, voilà, tout à fait, merci. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre Florence en Espagne. Pourtant, j'étais vraiment en train de penser à, voilà, à Rome, Rome, Milan, Florence. Et puis, voilà. Un peu con, le garçon. Donc, Copenhague. Alors, pourquoi est-ce que je veux aller au Copenhague? La station de Difference, la première leçon de Rital en quatrième. Tu m'as fait bugger de fou. Mais ouais, je suis désolé. Je suis un peu chaos technique. Alors, pourquoi est-ce que je veux aller à Copenhague? Vous allez comprendre très très vite pourquoi je veux aller à Copenhague. Parce qu'on est allé à Copenhague avec la chérie. Copenhagen est à New York, aux États-Unis, mais il faut lui. On est allé à Copenhague avec la chérie. Et au-delà du fait que c'est une ville qui est vraiment vraiment très jolie, vous allez surtout pouvoir y trouver alors, des parcs ici qui sont assez exceptionnels. Mais surtout, vous allez pouvoir trouver, et j'espère qu'il sera modélisé, j'essaie juste de me souvenir où il est. Il est pas loin de la gare. Vous allez pouvoir trouver en fait tout ce qui est un parc d'attractions. C'était quoi? C'était le parc. C'était Tivoli? Non, Tivoli, c'est le grand parc.
Si, voilà, le parc d'attractions qui est là, c'est les jardins de Tivoli. Il y a le pont de l'Oraison, mais il va y avoir plein de choses, je pense, à voir. Il va y avoir, effectivement, il va y avoir toute la partie, on va avoir un planétarium, on a toutes les parties des canaux, etc. Mais voilà, le jardin de Tivoli, donc, qui est plutôt au centre de la ville, si on arrive par là, je pense que si on arrive tranquillement par le parc ici, on va survoler le parc, on va suivre les canaux, et il y a un moment, en fait, au niveau des canaux, quand on arrivera sur la partie un peu pont, etc., ici, il y aura les jardins de Tivoli. Pourquoi je veux aller au jardin de Tivoli ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Attendez, je prends juste les coordonnées. Hop, on va arriver par là. Hop, on prend les coordonnées. Qu'on va venir coller ici. Hop. Définir comme point de départ. On va juste vérifier aussi, tac, qu'on soit de jour. Parce que de nuit, je pense que ça servira pas trop trop à grand chose. Tac, voilà. Donc ces jardins de Tivoli, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un, je crois que c'est le plus vieux parc d'attractions d'Europe, si ce n'est du monde, mais d'Europe je suis quasiment sûr. Ce sont des montagnes russes en bois, ce sont des manèges en bois, ce sont des jardins magnifiques, avec une, il y a aussi vraiment d'une, les bâtiments sont vraiment très beaux. Voilà, c'est un endroit qui est vraiment sympathique, et on y était allé pour Noël avec la chérie en 2018 ? 2019 ? Non, pas 2019. 2018 ou 2017, je ne sais plus. Et vraiment, c'était mais juste magnifique. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. On va se remettre en condition qu'on avait, nous, connue. C'est-à-dire qu'on va immédiatement mettre Copenhague sous la neige, évidemment. On va se mettre Copenhague sous la neige. On va se prendre plein jour ou... lever le matin, peut-être. On va se mettre ça plein jour. Voilà, on va se prendre tranquillement un truc plein jour, là. Voilà, tac, on est reparti. Mais histoire d'aller se faire un petit peu Copenhague sous la neige, là. Il y avait déjà cette immense... quand je vous dis, hein, que le parc est vraiment... 2017, heureusement que t'es... Bah, tu vois, j'étais pas loin, j'avais dit 2018 ou 2017. Donc, pour le coup, j'étais pas si mauvais que ça. Noël avec tout fermé, il y a un froid pas possible. C'est vrai que pour vous raconter la petite anecdote, pendant qu'on va avancer et qu'on va arriver tranquillement à suivre les canaux, pour vous raconter la petite anecdote, on était parti effectivement donc pour Noël. On était parti 3 jours, si je dis pas de bêtises. 23, 24, 25, non, 22, 23, 24. Et du coup, en fait... La première journée, tout était ouvert, c'était magnifique, on s'est baladé, 22, 23, 24, et ça, on avait prévu de revenir le 24. On savait que ce serait passé le réveillon dans l'avion, on aurait moins de monde, on serait pas chié, etc. Et du coup, donc le 22, tout était ouvert, tout était magnifique, on s'est baladé sur la ville, etc. Et le 23, 24, tout a commencé un petit peu à se fermer. Et notamment le 24, donc le jour même du départ, où quand même on devait partir le soir, hein, malgré tout, tout était fermé comme un jour férié, c'est-à-dire que c'était vraiment fermé comme le 25, et il n'y avait plus rien. C'était fini, il n'y avait plus rien d'ouvert. Et donc on était en train d'errer dans les rues. Alors heureusement, il y avait le marché de Noël qui nous a quand même permis de faire, d'aller boire quelques bons verres de vin chaud au clou de girofle et à la cannelle. Mais voilà, c'était vraiment le truc où tout était fermé. On a réussi quand même à se trouver un café d'ouvert pour venir se poser accoudé sur un très gros tonneau. C'était très rigolo. Mais voilà, c'était un petit peu le fail de Copenhague. Le chocolat chaud au Belize aussi, c'est vrai. Mais voilà, c'était un petit peu le fail de Noël, même si à côté de ça, on avait passé un moment absolument divin sur tout ce qu'était la balade autour était vraiment, vraiment superbe, quoi. Pendant que je discute là, on va tranquillement arriver, je crois que c'est je pense qu'on est en train d'arriver là-bas. Si je ne dis pas de bêtises, putain, les structures sont quand même bien foutues, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Tivoli, je pense qu'on devrait pas tarder à y arriver là. Vous voyez l'espèce de parc qui est devant nous là? Ça va être les jardins de Tivoli. Normalement. Si j'ai bien repéré un petit peu, mais si j'ai bien pris mes repères de vol à vue, on devrait arriver, voilà, tac, ici, on devrait arriver aux alentours de Tivoli. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Alors il n'y aura pas tout ce qu'on cherchait. Enfin, une petite pause, tac. Je pense qu'il n'y a pas tout ce qu'on voulait voir, mais il y a notamment ce petit château là. Si vous passez sur mon Instagram, vous en verrez des photos de ce petit château, puisque effectivement on est passé.
Donc toute cette partie jardin de Tivoli, là c'est dommage, c'est vraiment pas assez, c'est pas modélisé du tout. Et donc effectivement toute cette partie là, ce sont des... comment ça s'appelle ? Il faisait vraiment froid et humide, c'est clair. Toute cette partie là en fait, ce sont donc des manèges, des montagnes russes, des machins comme ça, etc. Et il y a effectivement tout un passage où on vient ici au niveau des... qui était tout éclairé magnifiquement de guirlandes, de lanternes, etc. Qui encadrait un petit peu le château. D'attraction, voilà, merci. Et vous verrez qu'effectivement, j'ai pris quelques photos à droite à gauche. Faudra chercher, du coup, faudra redescendre jusqu'à 2017. Mais c'était bien par là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller continuer, on va aller continuer par là-bas. C'était pas à Copenhague aussi qu'il y avait un... Merde, pardon, hop. C'est pas à Copenhague aussi qu'il y avait un... comment ça s'appelle, un opéra près de l'eau, il me semble. Un opéra ou une salle des spectacles ou quelque chose, je me souviens plus, là j'ai un peu le doute. C'était à Oslo, Sydney. Oui, dans le Sydney, je sais qu'il y a un opéra. Mais non, effectivement, c'était quand on est parti à Oslo qu'il y avait effectivement le... comment ça s'appelle, un peu opéra qui était sur le bord de l'eau là. C'est sympa là, hein, dis donc, ouais. Allez, on va aller voir cette petite île qui se balade toute seule là. Pauvre petite île. C'est rigolo ça, c'est quoi ce bâtiment? C'est marrant. Vous en avez fait des voyages. On a essayé quelque chose sur lequel on s'est bien trouvé avec Rafa. C'est sur l'envie de voyage. Et l'envie d'aller visiter des tas de choses. Et ouais, on a fait pas mal de choses. On a fait la Slovénie deux fois. Et on n'a pas encore fait la Norvège, là où on était en forêt. Hey, c'est pas fou. Il faudrait qu'on aille voir là ce qui, s'il y a ce fameux parc, s'il y a ce fameux parc The Reindeer, fameux parc à cerfs. C'est joli ça, ces petits machins là. Et donc du coup, ouais, on a fait quand même pas mal de, on a eu l'occasion d'aller faire pas mal de pays avec Rafa. On a fait la Slovénie deux fois. On a fait Oslo, on a fait Copenhague. Qu'est-ce que je rate encore? Putain, c'est sympa, hein, c'est vachement beau. Le parc à cerfs était à Copenhague. Ouais, c'est ça, hein, j'avais... Ah oui, non, à Copenhague, du coup. Pas Oslo. Elle est vachement belle, cette ville de nuit, là. De nuit. En hiver, de neige. Je sais plus où j'habite, moi. Je suis perdu. Deerhaven. On a fait Londres aussi, évidemment, non, vraiment, c'est cool. C'est sympa, cette fois. Bon, il est quoi? Il est 55, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on reste ici? On continue à survoler Copenhague joyeusement, tranquillement. C'est beau, hein, putain, c'est incroyable. Les modélisations sont quand même vraiment, vraiment, vraiment pas dégueu. Tant qu'on s'en approche pas trop, en fait, la modélisation est vraiment, vraiment propre. Tant qu'on n'est pas dans de la photogrammétrie, si on s'approche, ça commence à piquer. Mais au-delà de ça, putain, pouf, 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 les copains. Hein. Franchement, assez incroyable. Est-ce que vous avez une petite... on n'a pas fait beaucoup de destinations au soleil, c'est vrai. Mais les destinations au soleil sont plus loin, sont plus chères. Ah, puis la Slovénie, on peut pas dire que c'était pas une destination au soleil. À Slovénie, on a quand même vachement profité, du lac de Bled. Oh, putain, il y a des... comment ça s'appelle ? Il y a des éoliennes, excellent. Et oui, de toute façon, il y a plus de monde. Hein. Si dès que tu vas sur un endroit un peu plus ensoleillé, forcément, il y a plus de monde. Ça, c'est clair. Qui pour nous donner la destination? Il est 56. Le temps de changer vite fait de destination. Où est-ce que vous voulez aller voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ah, un petit frise des familles. Qu'est-ce que vous voulez aller voir sur les 5 dernières minutes? Je ne peux pas surveiller la frontière Ukraine-Russie pour voir si tu prends un Tomahawk. T'es con, Bakoun. Mais on a fait un bout de Russie la dernière fois, hein. On a fait le Kamtchatka sur la Russie, et un petit tonneau des familles. Hop là! Bonjour! Où est-ce qu'on va, messieurs-dames? Sur les 5 dernières minutes, il y a un immense champ d'éoliennes dans le bras de mer entre Danemark et Suède. Écoute, je pense que là, je pense qu'on y est, hein. Il est là. Comme quoi, hein, il est effectivement bien modélisé. Même si j'aimerais y passer... Attends, la montagne rouge de Cassis, si tu veux, pour 5 minutes. C'est vrai qu'on avait dit qu'on y reviendrait à Cassis. On a fait Marseille, mais on n'a pas fait Cassis. Du coup, on va aller faire ça. On va aller se faire un petit survol d'éoliennes d'abord, là. Ouah, salut les coquines, comment ça va? Ouh, c'est beau.
C'est sympa comme vue, dis donc, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, là? C'est pas dégueulasse, hein? Ouais, juste, on va juste se faire un petit move sympa des familles. Hop, on va les passer de l'autre côté. Et hop, voilà. Hop. Là, coucou. Allez, on va finir sur Cassis. Menu principal, continuez. Kamchatka, j'arrive toujours pas à l'écrire en état sûr, en étant sûr de moi. On l'a pas déjà fait ça on n'a pas fait Cassis, on a fait Marseille, mais on n'est pas allé sur les sur Cassis. Du coup, tu dois avoir un pont de ouf qui plonge dans l'eau aussi. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on faudra qu'on se le recheck à l'occasion. Mais oui, effectivement, on avait ça. Alors, Cassis, est-ce qu'on a ça? Non, on l'a pas. Alors, on va aller chercher ici. Hop, Cassis, France. Franck, le pont entre Danemark et Suède, là, 14 km au-dessus de l'eau, et j'ai passé, et je l'ai passé en 2004, il est insane. Je l'ai survolé en 2017. Alors, Cassis. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est pas du tout là. Qu'est-ce qu'il y fait? Il est fou? Mais, je l'ai mal écrit ou comment? Ah, voilà, merci. Le team, il est allé me caler en plein milieu. Tu pars de Marseille-Lumini et tu longes la côte. Alors, attends. Cassis, France, on l'a dit. Tac. C'est quoi qu'on veut aller, c'est quoi qu'on veut aller voir sur, sur Cassis? C'est toute cette partie-là, là? Les calanques, etc. Et puis derrière, je pense que c'est ce mont-là qu'on veut aller voir. Ça a l'air d'être ça, hein. La montagne rouge face à toi. Ok, bah je pense que c'est ça. Attends, on regarde juste où est Marseille. Marseille est là, d'accord, ok. On va se faire ça. On va partir de là. Ce qui va nous permettre probablement de venir descendre un petit peu au ras des pâquerettes. Et de venir se faire du survol sympa pour pouvoir longer toute la côte ici. Et hop, et revenir sur la montagne ici, là. Commence à Port-Mioux. Port-Mioux, ouais, bah c'est là. Calanque de Port-Mioux, là, on y est. Ah, il y a le parc national des Calanques aussi, ici. Ah. Ah. Pointe rouge. Ah, pointe rouge, c'est ça? Non, ça doit pas être ça. On va partir de là. Non, c'est quoi la distance? C'est un kilomètre, c'est une borne. Vas-y, on va démarrer de là. Il est 13h! Ah oui, ça c'est le Nightbot où j'avais essayé de mettre mes notifications, mes nouvelles emotes, mais ça marche pas du tout. Du coup, le Nightbot, il faut que je lui change son truc. Donc, on l'a dit, on va partir de là. Tac, 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 tac. CTRL V, pif paf pouf, tac, définir comme point de départ et roule ma poule. Tu vas commencer direct face à la montagne, là, toute la côte entre Marseille et Cassis, c'est le plus bel endroit du monde. Il faut que Nightbot soit abonné pour que ça marche. Bah ouais, mais du coup, tu sais comment je fais ça, moi, Vakun? J'ai aucune idée de comment ça marche, cette histoire. Salut Meister, comment tu vas? Survoler l'an passé, je confirme, jusqu'à Cannes, en fait. Putain, il est déjà 13h01, du coup... Déjà à la bourre, je suis déjà à la bourre pour reprendre le taf. Mais on va quand même se faire Cassis. D'ailleurs, on dit Cassis avec le S qui traîne ou on dit Cassis? Où est-ce qu'il m'emmène là? Plein nord. Bah non, on va pas aller plein nord, on va aller plein, est. Et hop, extra 300, on peut faire ce qu'on veut. Wouhou! Waouh! Waouh! Waouh, il fait beau là. Cassis, c'est le. Cassis. Le cassis, c'est le sirop de Tesserre. Obligé, j'entends l'accent quand tu me dis ça. Moi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a quelques petits ramages. Hein. Si le ramage se rapporte à votre plumage. Va doucement, s'il te plaît, ça tourne. J'ai toujours entendu Cassis, mais je suis pas Marseillais, donc pas certain. On va regarder ça comme ça là. Donc en longeant la côte, là, je vais quand même juste vérifier que je suis bien dans la bonne direction. Ah mais excusez-moi. Tac. Ouais, on est bien sur la bonne direction, il n'y a pas de souci. Il y a presque un peu trop, tu vois, c'est là où on a beau être effectivement sur une. On a beau être sur une GTX 1080. On a beau n'être que en haute et pas en ultra. C'est là où tu sens que. Il picote un peu quand même le machin. On n'est pas ultra fluide. Et c'est bien dommage. Est-ce que j'ai pris mes bons repères là?
Oui, si elle est là. Ah, si, elle est là, la petite crête, là, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je dis pas de conneries. Hop. C'est, l'objectif, c'est d'arriver là, on est d'accord. C'est vachement beau, ça, dis donc. Là, on est sur un décor qui vaut son petit pesant de cacahuètes, quand même. Hein. Niveau dentition, tu es plus de 50. Quoi ? Définition. Quoi ? De quoi qu'on parle ? Je sais pas de quoi ça parle. Tu survoles la calanque de 100 000. Niveau définition. Ah, est-ce que je suis à plus de 50 FPS ? J'en ai aucune idée. J'ai pas activé l'affichage de FPS. Donc là, j'ai vraiment. Salut papa, comment tu vas ? Mister Papa Noël. Je n'ai absolument aucune idée du nombre de FPS sur lequel je suis en train de faire tourner la bestiole là. Je pense qu'on est largement au-delà des 60 quand il lag pas comme ça. Mais j'ai pas fait gaffe. Après la définition actuelle, moi je suis en 1920 par 1080 et je suis sur une définition haute. Enfin, je suis sur des graphismes mis sur haute. En ultra, ça dépend des endroits. En ultra, ça peut tourner. Et puis il y a des endroits où vraiment l'ultra, ça fait tout péter parce que ce que j'expliquais un peu plus tôt dans le live, c'est que la photogrammétrie derrière prend une ressource qui est juste complètement dingue. Quoi. Parce que pour moi, 70, c'est déjà un cerf. Tu vas où ? On est sur les Calanques, pas loin de Marseille. Et on est en train de remonter aux alentours de Cassis, et non pas Cassis. Parisien que je suis. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a commencé par New York. On a fait San Francisco. On est allé voir. Quoi d'autre ? Je sais plus. J'ai déjà oublié. Copenhague. On a fait pas mal de choses quand même aujourd'hui. Après la montagne rouge, si tu prends 90 degrés rouges, tu peux tomber sur la Sainte Victoire, rendue célèbre par la peinture de Paul Cézanne. Perso, sur une 2070, je mixe entre ultra et élevé. Ouais. La falaise en face de toi est rouge. La falaise ici, là, normalement, elle est censée être rouge. J'ai pas l'impression qu'elle soit très rouge. On va essayer de refaire un passage. Heureusement qu'on a l'extra 300. Ça permet de faire des choses pas mal. As-tu essayé de voler sous un pont ? Oui, oui, oui. On a essayé de passer sous le Golden Gate. Et cette espèce d'enfou. Pas fait nous a fait considérer comme craché alors qu'on est large, mais large, donc c'est décevant. Ils ont pas mis la bonne couleur. Bah ouais, bah je suis désolé mon loulou. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. On va essayer de prendre de l'alti à toute parzingue avec l'extra 300 là. Si, il y a un peu de rouge quand même là, regarde, au niveau des arbres c'est un peu plus rouge, mais bon, c'est pas la folie furieuse quoi. Mais ça a de la gueule. Hein. Franchement, ça a de la gueule. Bon, allez, on est dans un extra 300, oui ou merde. Hop là. Wouhou. 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 Hop là. Oh bah tiens, c'est original. J'ai mis un petit coup de palonnier qu'il fallait pas. Et du coup, là où j'aurais dû faire un tonneau, une petite barrique sans aucun problème, le petit coup de palonnier nous a mis en vrille et c'était un petit peu raté. Mais de toutes les façons, il est 13h06. Moi, il est... Attendez, je regarde juste ce que j'ai raté. Après, plus de 400 mètres vers l'ouest, c'est la Bretagne. Meister, il est Bretagne, 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 Bretagne. Quand tu survoles la crique, la falaise sur ta toit est rouge ocre. Pour le World Update 4, ça sera la France à l'honneur. C'est vrai, putain, génial. Ça, c'est cool. Bonjour, c'est la DGAC. Vos altitudes de survol de la Garrigue nous paraissent un peu limites. Tu m'étonnes. Allez, on va faire comme d'habitude sur cette fin de live, vu qu'on est quand même sur un endroit qui est assez magnifique. On va aller faire ça. Tac. Hop, voilà. On va se mettre par là. Hop, voilà. On va trimer l'avion tranquillement, histoire qu'il ne vienne pas nous faire des trucs tout dégueulasses, tout pourris. Histoire d'avoir un vario à zéro, le plus à zéro possible. Ok, oh. Calme-toi. Voilà. On va faire ça comme d'hab. On va se mettre une vue un petit peu plus écartée. On va mettre un petit peu la vue sur la mer ici.
puisque c'est quand même un bel endroit et que moi je suis très très fan de ce genre de choses, on va se mettre... Non, plutôt dans le côté. Pour le coucher de soleil. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, moi je vais couper le micro, je vais couper la cam et je vais vous laisser 2-3 petites minutes en survol tranquille autour de Marseille. Bon après-midi et profite du soleil bruxellois. Bah, on va surtout bosser maintenant, on va reprendre le taf à 13h08. J'ai déjà 8 minutes de retard sur mon boulot normalement, mais bon, ça va, c'est pas la mort. Après, c'est le Benelux. Houston, on a un problème. C'est vrai qu'a priori, Bruxelles a joui de la photogrammétrie, donc il faudrait peut-être qu'on aille voir Bruxelles. On essaiera ça demain, du coup. Demain, on démarre sur Bruxelles. Ce sera cool. Je vous fais des gros bisous, tout le monde. Moi, je coupe la cam. Je vais tranquillement couper mon micro et on va vous laisser sur ce petit survol en musique. À demain, de midi à 13h. Plein de gros bisous et bon après-midi. La lumière, c'est un nouveau vent.